à peu près deux mois. Il s'appelle Fortes. Fort.e.s avec l'inclusion. J'aime bien ça, je vous Merci. Je vous envoie des cœurs en fait. Voilà, ce besoin de visibilité et d'être unis en même temps. Donc voilà, on voit un peu tout le monde et en même temps tout le monde est. Et au fond, ça fait fort, forte, forte. Voilà, le prochain morceau est né après un violent épisode de racisme que j'ai vécu au sein d'une équipe de tournée. Et j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ce sentiment-là, d'aigreur, de rancune, de tristesse, de colère, de me dire on en est encore là en 2023, encore ça, encore. Et surtout, ce n'était pas, comme on dit souvent, volontaire. C'est le pire. Du coup, on n'a pas la possibilité d'être, de ressentir tout ce qu'on ressent quand on se reçoit ce genre de messages un peu nocifs, négatifs. Et donc moi, j'ai beaucoup hérité de ma maman, mon grand-mère, etc. Et puis c'est genre des femmes très tolérantes, dans la paix. Et puis à ce moment-là, j'avais du mal à garder ça. Ce sentiment de positivité. Et je me suis dit, mais en fait, si maintenant je cède à la guerre et que tout le monde cède à la guerre à chaque fois qu'on est énervé, c'est l'anarchie. Donc malgré tout, et avec la volonté de s'autoriser à ressentir ce qui est négatif et à le dire, je chante quand même l'unité. Voilà. Ouais. Et ce morceau s'appelle fort.e.s. God love. Tenir encore, faire malgré l'effort, et dans un énième effort, et depuis nos entrailles, on puise en nous forts, enfoui en nous forts. Je devrais comprendre.